Il faudrait que l'État, à un moment donné, peut-être avec l'appui, bien sûr, de certains bailleurs, oui. arrive aujourd'hui à faire une étude en termes de réorganisation, en termes de cartographie des acteurs qui évoluent dans le secteur agricole guinéen. Il le faut absolument. Il ne suffit pas d'organiser des activités de c'est un peu dérisoire le mot, mais il ne faut pas qu'on ait des tapes à l'œil. Il faut aller vers les vrais gens, les vrais acteurs. Est-ce que vous êtes en train de dire que ce qui se fait aujourd'hui au niveau du département et au FODA, c'est du tape à l'œil? Bon, je ne peux pas dire que c'est du tape à l'œil, mais il faut un travail vraiment conséquent dans ce sens pour rencontrer les vrais acteurs afin de situer qui doit faire quoi, qui doit être en possession vraiment de ces fonds et aujourd'hui rendre plus flexible vraiment ces financements.